forme une petite et moyenne entreprise, SME Mauritius peut travailler avec plusieurs institutions. Association de Mauritian Manufacturers peut promouvoir un produit fabriqué à l'île Maurice. Et au niveau de SME Mauritius, nous avons une collaboration étroite, puisque SME Mauritius peut financer la souscription annuelle à toute bonne entreprise qui peut joindre à sa association. Moi, je encourage maintenant pour gagner plus de membres et aussi encourage ben produits qui peuvent fabriquer à l'île Maurice, mais aussi incite ben Mauriciens consomme ben produits qui fabriqués à l'île Maurice. Parce que là, en ce moment-ci, ce qui nous peut remarquer, c'est qu'il y a un flux de ben importation et qui n'est pas nécessairement de bonne qualité. Mon ministère travaille à SME Mauritius, nous pour collaborer pleinement pour la réussite de tous les objectifs que la MMM fait fixer pour promouvoir ben produit qui bannent différentes entreprises, surtout une petite et moyenne entreprise qui peut faire, pour consommer localement, mais aussi à être exporté. Par exemple, aujourd'hui même, nous faisons signe un MOU avec MCCI pour capable d'aider pour mettre un barcode, parce que le barcode lui aide pour ouvrir beaucoup plus de marchés, que ce soit local ou international, à mon entreprise pour ce même produit. C'est un moment de bilan. Qu'est-ce qu'on a fait l'année précédente? Alors, peut-être une manière de faire un peu plus original qu'à l'AMM, c'est d'inviter ses partenaires. On invite nos partenaires effectivement à prendre la parole également parce qu'on a des dossiers communs. On a des sujets de travail communs. Donc l'objectif, c'est aussi de donner à voir que l'industrie qui s'est engagée sur beaucoup d'enjeux, transition digitale, écologique, avec la formation, avec l'innovation, avec l'international, avec la RSE, ne le fait pas tout seul. Parce qu'elle ne peut pas le faire tout seul. Donc l'objectif, c'est collectivement, avec l'ensemble de ces acteurs, de mutualiser nos travaux. Et ça veut dire que l'AMM n'est pas toujours à l'initiative, mais elle vient aussi soutenir des actions que font d'autres partenaires du secteur privé. C'est aussi une ouverture sur la société civile, parce qu'on considère que des acteurs de l'enseignement, des ONG et d'autres structures qui sont sur des enjeux de société aussi, ont des choses intéressantes à dire à l'industrie, sur l'industrie, ou même inversement, l'industrie elle-même a un regard à porter aussi sur le développement du pays et l'activité de partenaires de société civile. Donc on est vraiment plutôt dans une démarche de dialogue ouvert sur le sujet de sustainability, c'est-à-dire la durabilité, pas juste de l'activité économique, mais d'un modèle de développement aussi. Donc là-dessus, Maurice vient de fêter ses 5 ans, ses 50 ans d'existence. Je dis 5 ans parce que le Made in Maurice fête ses 5 ans aussi cette année. C'est aussi des moments de bilan, donc on regarde ce qu'on a parcouru comme chemin, l'avenir, par exemple avec Business Mauritius qui a constitué des commissions sur sustainability et donc qui touche autant à des enjeux économiques que sociaux et environnementaux. Là, l'industrie a un input à donner.